La clé pour faire du bon fromage, ben, c'est l'amour du fromage. C'est d'être passionné. C'est ce qui donne un bon résultat. La fromagerie Blackburn, c'est presque 100 ans d'histoire. Ça monte à mon arrière-grand-père. C'est lui qui est arrivé ici, dans le Grand Saint-Benoît, avec son fils Joseph. Aujourd'hui, on est la 4e génération. En 2006, on a démarré la fromagerie Blackburn. Puis c'est une histoire qui se continue avec le temps. Nous, on récupère toutes les eaux usées de la production avec le lactosérum. Tout est transformé dans un bioréacteur. Ça peut être instinctif. On a fait des recherches sur le marché pour savoir qu'est-ce qui existait comme procédé de traitement du lactosérum. Puis ça a été pour nous la solution évidente quand on l'a trouvé, de pouvoir refaire de l'énergie avec les déchets de la fromagerie. On trouvait que c'était la meilleure idée. Alors ici, c'est une salle de trophée d'exposition agricole qu'on a faite au cours des années. Il y a une vache en particulier. D'ailleurs, on a nommé un fromage en son nom. Elle s'appelle Valida. C'est une vache qu'on a eue dans les années 90. Elle était vraiment très, très belle. Elle a gagné plusieurs prix. Une très belle descendance qu'on a encore dans l'étable, qu'on est capable d'identifier. Moi, je les trouve heureuses, mes vaches. Quand je m'approche d'une vache puis qu'elle vient vers moi pour me sentir ou voir qui je suis, c'est de dire que c'est une vache qui est heureuse. Si on a une vache heureuse, elle va produire du bon lait. Ça, on est certain de ça. Puis ça va se refléter automatiquement dans le fromage. Le rôle que la fromagerie Blackburn veut jouer dans la région, c'est vraiment de faire découvrir les saveurs. On veut faire la promotion de nos produits, c'est-à-dire notre lait, notre troupeau, c'est nos affaires. Fait qu'on veut faire la promotion d'un produit frais.